Bonjour les enfants, dernière leçon, Jean 17, l'évangile de Jean, c'est le quatrième évangile, vous vous souvenez, chapitre 17 à partir du verset 1. Alors là on a hésité parce que c'est un des textes les plus compliqués de toute la Bible, hein. Donc on n'est pas sorti. Mais comme vous êtes très intelligents, on va y arriver. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Alors sacerdoce, ça veut dire un rapport avec le prêtre, enfin, celui qui s'occupe des autres. Et donc la prière sacerdotale, c'est la prière que Jésus fait à la fin de sa vie, juste avant de mourir. Et là, il a une grande prière où il prie pour les siens. Et ben, d'abord, c'est sympathique et généreux parce qu'il pourrait prier pour lui. Hein. Il pourrait dire, oui Seigneur, je vais bientôt mourir, ça va pas être drôle, etc. Non. Aide-moi. Voilà, il prie pour les autres, ce qui est vraiment chouette. Et puis, il va dire des tas de choses. Alors, c'est un texte un peu compliqué, mais on peut en tirer quand même quelque chose d'important. Mais je vous disais ça. C'est un texte important, puisque si c'est ce qu'il dit, en fait, c'est presque la dernière chose qu'il va dire à ses disciples avant de mourir. Donc, il va, je pense, essayer de donner un message essentiel. Il va essayer de résumer tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a essayé d'enseigner. Donc, c'est pour ça qu'on pensait important de l'étudier aujourd'hui avec vous. Très bien. Alors, chapitre 17, verset 1, donc ça je vais lire. « Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. » Bon, ça, glorifier, c'est-à-dire donner de l'importance. Il lui dit, voilà, il va se passer des trucs. On va lire à partir du verset 6. Alors, lis-nous ça, Sophie, si tu veux bien. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Oui, c'est-à-dire que c'est Jésus, clair, effectivement, ça, hein. Il a fait connaître le nom, c'est le nom de Dieu, donc ouais. Il a expliqué aux hommes qui étaient Dieu, ça je comprends. Il était à toi, et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Bon, ils étaient à toi parce que tout homme appartient à Dieu, et il les a confiés à Jésus, et donc Jésus s'est occupé d'eux. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alors, effectivement, ça, c'est le résumé de toute la mission du Christ. En fait, c'est de faire connaître Dieu. Jésus, il nous a parlé de Dieu, il nous a expliqué qui c'est. Et donc, c'est ce qu'il dit. Jésus, il dit, ben voilà, j'ai fait mon boulot, donc c'est parfait. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Voilà, Jésus a transmis la volonté de Dieu. Et ils les ont reçues. Bon. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça explique toute la mission du Christ, en fait. Jésus, ce n'est pas Dieu lui-même qui se promène sur terre, mais effectivement, il avait une mission, c'était de dire la volonté de Dieu et d'expliquer qui est Dieu. Donc Jésus, il a fait son boulot, il a expliqué effectivement tout ça, et il nous a permis de comprendre qui il est. Alors, ensuite, Jésus va rappeler un petit peu qu'il va... Ben vas-y, continue à lire. Alors, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ah oui, parce que là, parfois Jésus prie pour tout le monde. D'ailleurs, à la fin, il va prier pour le monde entier. Là, il prie pour les disciples. Hein. Il prie vraiment pour ceux qui étaient avec lui. Donc, il va leur donner leur mission. Voilà, c'est ça. Et verset 11, alors. Première demande. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Alors effectivement, il dit que il est plus dans le monde. Pourquoi ? Bah parce qu'il va mourir. Il va mourir, oui. Donc Jésus, il sera plus là. Mmh. Et il dit, eux sont dans le monde. C'est-à-dire que nous, les disciples, eh ben, nous, on peut faire. Donc Jésus, il invite à aimer, à pardonner, à servir. Et il dit, ben, maintenant, les gars, moi, j'ai fait ma part. Maintenant, moi, je vous dis ce qu'il faut faire. À vous de le faire, autrement dit. C'est ça ? Mmh. Et donc, aide-les afin qu'eux, ils arrivent à le faire. Parce que c'est nous qui devenons... chargé d'agir, je dirais, comme alors, Jésus. Il insiste quand même sur l'unité, sur le un, qu'il reste un. Alors qu'il reste un, oui, c'est ça. Alors pourquoi il dit ça ? Pour que peut-être que tous les chrétiens restent unis. On peut avoir chacun sa manière de croire en Dieu, c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'on se respecte les uns les autres et qu'on soit tous vers la même mission. On aille tous vers la même mission. C'est vrai, oui, c'est vrai, ça me plaît assez. Chacun a sa personnalité, chaque disciple a sa personnalité, mais ça n'empêche pas qu'ils ont tous la même mission, et donc ils doivent se respecter, s'écouter. Ouais. Oui, c'est vrai, et autrement dit, il y a plein de chrétiens différents, hein. Il y a des protestants, des catholiques, des orthodoxes, des coptes, des arméniens, des tas de sortes de chrétiens différents, et l'idée, c'est que même s'ils sont différents, ils sont unis parce que
Qu'est-ce que tu m'as dit là? En fait, il voulait. On a tous la même mission d'essayer d'améliorer le monde et de faire que tout le monde soit heureux dans ce monde. Voilà. Et que en fait, on peut être frère sans forcément être exactement pareil. Moi, j'ai un frère. Moi, j'aime les courgettes, lui, les aubergines. On n'a pas le même goût. On fait pas les mêmes sports. On fait pas la même musique. Et donc, on peut être frère en étant différent. L'important, c'est d'avoir le même but. Et je crois qu'effectivement, les chrétiens sont un. Même s'ils sont dans des églises différentes et que ça n'a aucune importance d'être protestant, catholique ou orthodoxe ou grec ou ce que vous voulez, l'important c'est de vouloir vivre l'évangile et de pouvoir apporter un peu de paix dans le monde. C'est ça qui nous unit avec Jésus. Ensuite, verset 13, on saute le 12 et on va lire le 13. « Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Ça me plaît, parce qu'il est question de joie. Donc il ne dit pas, je vais vous donner un boulot, ça va être extrêmement ennuyeux, vous serez malheureux, il faut aider les autres. Il dit non, si vous suivez l'évangile du Christ, c'est une joie extraordinaire. C'est d'ailleurs une phrase qui n'est pas dans l'évangile, mais c'est dans les actes des apôtres, qui dit, il y a plus de joie, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc la mission du Christ, c'est vraiment avoir dans sa vie énormément de joie. Et c'est la plus grande des joies possibles que de suivre le Christ, ça je crois que c'est vrai. Verset 15, c'est ça ? Verset 14. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Oui, haïs, il dit, c'est parce que ce n'est pas toujours facile. Hein. Être chrétien dans le monde, ce n'est pas évident, parce que parfois les gens se moquent, ou ne comprennent pas, ou jugent sévèrement, et que par conséquent, Jésus dit quand même, c'est l'amour, c'est beau, etc., mais ça ne va quand même pas être super commode. Ce n'est pas toujours simple. Ouais. Voilà. Effectivement, parce que les gens ne comprennent pas, et quand on est généreux, les gens parfois ne comprennent pas ou se moquent. Et donc, haïs, c'est beaucoup dire pour nous, mais en tout cas, c'est vrai qu'être chrétien, ce n'est pas forcément toujours facile. Hein. Parfois, on n'est pas compris. Verset 15. « Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Ah, c'est pas mal ça. C'est-à-dire que le but du chrétien, c'est pas de se retirer hors du monde en disant « les gens ne me comprennent pas, le monde est méchant, on va vivre juste entre nous, entre gens gentils. » On est dans le monde. Donc oui, dans le monde, il y a des gens qui sont... Ouais, parfois, ça frotte un peu. Hein, c'est ça. Et parfois, c'est compliqué parce que les gens ne comprennent pas et qu'il y a beaucoup de méchanceté dans le monde. Et il dit « je ne te demande pas qu'ils se retirent du monde, mais de les préserver du mal. » C'est-à-dire qu'ils arrivent à garder... Leur force, leur conviction, et qu'ils arrivent à rester des gens fermes dans leur conviction. Et eux, ils ont choisi de faire le bien, ils font le bien, même si le monde se fiche de leur poire, c'est pas très grave, ils le font quand même. Et être chrétien, c'est vrai que ça demande du courage. Et c'est ce que dit Paul d'ailleurs en Romains 12, là. Il dit « ne vous conformez pas au monde présent », c'est-à-dire le monde lui-même n'est pas formidablement généreux, hein. Et tout le monde se dit un peu chrétien, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent vraiment l'évangile. Et Paul nous dit, vous êtes différents des autres quand même. Et il dit le courage d'être différent des autres. Et même si tout le monde fait n'importe quoi, et ben vous, maintenez votre position. Même si c'est compliqué, il faut la maintenir. Pour ça, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est-à-dire, ils sont quand même, être chrétien, c'est être un peu différent des autres quand même. C'est assumer une différence. Et verset 17, enfin. Ah non, il y a encore 18 après. Alors, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ah, ça c'est vrai que c'est bien parce que c'est ce qu'on... C'est ce que tu dis à la fin des cultes. C'est comme ça que je conclue toujours les lectures bibliques. Ou c'est les lectures, ouais. C'est ça. « Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. » Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Alors, effectivement, parce que sanctifier, ça veut dire mettre à part. Donc dans l'évangile, il y a une vérité, c'est-à-dire qu'il y a un message qui dit, voilà, le plus grand c'est le serviteur, l'important c'est d'aimer, de pardonner, etc. Et il dit, par ce message, vous êtes sanctifiés. Alors sanctifiés, ça veut dire, c'est pas qu'on devient des petits saints avec une auréole, mais ça veut dire qu'on est différent du reste. Saint, ça veut dire mis à part, et en fait le chrétien, qu'il ait le courage d'être différent du reste et de se différencier des autres. C'est pas un mouton parmi d'autres qui fait les mêmes bêtises que tout le monde, mais il a le courage de la différence, donc par cette parole du Christ. Et enfin, le verset 18, qui est la conclusion. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voilà. Et donc ça, c'est la conclusion. C'est que Jésus, il a été envoyé dans le monde pour dire une parole. Et bien nous sommes envoyés dans le monde aussi pour essayer de faire un peu de bien. Et avec l'aide du Christ, on peut faire beaucoup de choses. Surtout si on relit les autres leçons d'avant.
C'est qu'en fait, ben, on n'est pas une branche desséchée comme ça, appelée à donner du fruit à partir de rien, mais on a une source, une racine formidable, qui est l'amour de Dieu, l'amour du Christ, la présence du Christ, tout ce qui nous remplit de plein de force pour pouvoir apporter des bons fruits au monde. C'est bien ça ? Ben, je pense qu'avec tout ça, déjà, il y a de quoi faire. Hein. Et ben alors, écoutez, les enfants, merci. On se réjouit de vous revoir bonne bientôt. Bonne fin de dimanche, du coup. Hein. Et on pense à vous. Au revoir. Au revoir. Thank you.